Bonjour à tous, c'est Franck de Créalinium, bienvenue dans mon atelier. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment on réalise un gabarit pour s'aider à tracer des queues d'aronde. Alors, tracer des queues d'aronde, c'est bien, mais quand il faut reporter les traits sur l'autre morceau de bois, c'est très compliqué, surtout quand elles sont ultra fines. Ce petit gabarit va vous permettre d'aligner vos morceaux de bois l'un par rapport à l'autre. En aucun cas, il ne va fabriquer vos queues d'aronde à votre place, il va vous aider à les tracer. Ce petit gabarit, là, va vous permettre d'aligner vos deux morceaux de bois par rapport à l'autre et de pouvoir venir les serrer, donc ils ne bougeront plus. Donc, vous pourrez vous libérer vos deux mains. Ensuite, avec un outil adapté, vous pourrez plus facilement reporter vos queues sur l'autre morceau de bois. Alors, petite précision, le gabarit que je vais réaliser devant vous, c'est un gabarit qui sera lui-même en queue d'aronde. Donc, ouais, je sais, je me mords la queue. Moi, j'aime bien me faire chier, donc je vais le faire en queue d'aronde. Voilà, vous commencez à me connaître maintenant. Mon morceau de bois est mis à épaisseur. Il est à la bonne largeur. Alors, la largeur, vous lui donnez la largeur que vous voulez, bien entendu. L'épaisseur, c'est pareil. Hein. Il faut que ça reste rigide. Donc, personnellement, je me suis arrêté sur 18 cm de large sur 2 cm d'épaisseur. La longueur, je vais faire au plus long. Donc, je vais diviser cette planche en deux, bien sûr, en faisant des coupes parfaitement d'équerre. Pour m'aider dans mon travail, sachant que ma scie radiale n'est pas parfaitement d'équerre, alors il y a un poil de cul, hein, je vais la reprendre au rabot à recaler. Et là, j'ai un angle parfaitement à 90 degrés. Je refais la même chose sur l'autre pièce. Encore un chouïa. Vaut mieux plus que pas assez, de toute façon il sera à 90 degrés. Parfait. Donc, ça c'est ma pièce A. Et ma pièce B qui vient suivre le fil ici. Donc, mes deux morceaux de bois sont rectifiés. Je vais pouvoir commencer le traçage des queues d'aronde. À l'aide de mon trusquin, je reporte mes épaisseurs, enfin mon épaisseur, pardon, donc 20 mm dans ce cas-là. Voilà pour ce qui est de l'étape du trusquin. Maintenant, je vais passer au traçage à proprement parler. Alors, il va falloir que je définisse mes queues et mes contre-queues. Donc, c'est pas dur. Hein. Je prends la première planche qui me vient dans la main et ça sera mes queues ou mes contre-queues. Je me gourre tout le temps. Alors, pour m'aider à tracer mes queues, c'est pas dur. Je vais déjà commencer par tracer mes extrémités. Alors, je vais mettre 7 mm de l'extrémité jusqu'à l'intérieur, enfin, et ainsi de suite. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. D'habitude, je mets 5, mais là, j'ai pas trop envie de jouer. Il faut que ce soit ultra précis. Alors, je me fais un repère à 7 mm du bord. Pareil de ce côté-là. Avec cette petite règle, c'est bien précis. Je suis sûr d'avoir exactement la même cote. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, j'ai exactement la même distance de chaque côté. Donc maintenant, je vais faire la répartition de mes queues. Je pense que je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas encore, on va voir. Donc j'ai pris mon... Je prends mon compas.
Je mets à peu près 3 cm, 3 cm et demi, je sais pas encore. On va voir, allez. Ouais, 3,4, on s'en fout de toute façon. Et vous partez du trait que vous avez fait sur l'extrémité d'un côté que vous avez tracé. Parce qu'il faut que mon compas, une fois que j'ai fait ma répartition de queue, vienne dépasser ce trait-là. Donc là, à mon avis, je suis trop. Rectifier le tir tout de suite. On recommence. Oh, bah alors, Franck, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre compas et vous faites une répartition de queue à l'aide de votre compas. Donc, voilà. On est OK. Maintenant, une fois que c'est fait, on repart d'ici. Enfin, vous n'avez pas bien vu, c'est pas grave. Je vais tracer ça au tranché. Alors, pour vous aider avec votre tranché, vous mettez la pointe de votre tranché dans la pointe du... Vous avez fait avec la pointe de votre compas. Donc voilà, maintenant j'ai ma répartition idéale de mes queues. Vous pouvez remarquer, c'est complètement symétrique. Maintenant, une fois que c'est fait, bah, c'est simple. Hein. Soit vous utilisez la fosse équerre pour reporter vos angles avec une valeur donnée, ou vous utilisez un gabarit qui est tout prêt et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. C'est ce que je vais utiliser, vous allez voir, c'est super simple. Alors personnellement, j'aime bien les queues d'aronde hyper serrées. Donc je vais utiliser mon petit gabarit là. Je vous ferai une review dessus bientôt, je pense. Et je vais commencer à tailler les queues. Alors faites attention, ne mangez pas vos traits. Vaut mieux les rectifier après au ciseau que de faire une boulette. Donc, c'est parti mon kiki. Ouais, je me cours pas. Alors vous allez voir, le gabarit, il est aimanté. Donc théoriquement, je suis obligé de descendre bien droit. Enfin, bien droit. Je retourne ma pièce pour éviter de faire une boulette. Et rebelote. On ne mange pas le trait. Pareil, alors je laisse un petit peu, je préfère reprendre au ciseau et couper proprement. Voilà,
Ça me laisse un tout petit bout de matière enlevée. Voilà. Donc maintenant, je vais venir dégager ça. Et puis on verra ce qui se passe après. Donc, plusieurs solutions. Soit vous le descendez au ciseau, soit vous utilisez une scie qui va bien. Donc maintenant que j'ai arasé plus ou moins mes queues d'aronde, mes queues, je vais venir faire enfin arasé plus ou moins. Je vais venir faire un arasant propre au ciseau à bois pour enlever cette matière-là et arriver pile poil à mon trait là, mon trait de Truscain. Forcément, pareil de l'autre côté. Ensuite, je reprendrai la partie là à enlever au ciseau. Ici aussi, il n'y a pas grand-chose, il y a un poil de cul, hein, et on verra ce que ça donne. Pile poil sur mon arasement, nickel. Pareil de l'autre côté. Et voilà, alors je m'excuse, ma caméra s'est arrêtée de fonctionner quand j'étais en train de nettoyer ces trucs-là, là. Donc bah, pour la prochaine version, la prochaine étape, vous le verrez bien sûr, enfin j'espère, en espérant pas avoir de bug. Donc comme vous pouvez le voir, la première partie de mon assemblage est réalisée, c'est dégagé, c'est propre, ça a l'air d'être propre du moins. Donc pour l'instant, je vais me fier à ce que j'ai fait. Je vais maintenant passer à la seconde partie. Alors, toute la difficulté réside dans le fait de tracer ces queues sur l'autre partie, d'où la création de ce gabarit. Vous allez comprendre plus tard. Une fois que vous avez fait ce gabarit, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie par la suite. Alors, je n'ai rien inventé, hein, ce n'est pas de moi, hein, je ne fais que pomper ce que j'ai vu sur Internet, mais expliqué à la mode française. Je prends mes deux morceaux de bois, je veille bien à ce qu'il y ait une continuité dans le fil du bois, pour que ce soit joli, et je viens. Ah, attendez, ça va aller comme ça. Voilà. Je viens mettre ma planche dans l'étau, enfin, dans la presse du moins, de façon à ce que quand je mets ce morceau de bois-là, ce soit parfaitement d'équerre. Alors, c'est pas très facile. Je vous conseille de vous aider d'une presse. Donc je veille à ce que mon arasement vienne bien sur le bord de ma planche. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, à l'aide d'un tranché ou d'un crayon ou de ce que vous voulez, vous venez reporter vos queues. Alors, faut être assez précis. Le tranché, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin, celui-là, en tout cas, en l'occurrence. Il est trop épais, je trouve.
une fois vous avez reporté vos traits, enfin vos queues sur cette planche là, bah c'est simple, hein. Vous l'enlevez et à l'aide de votre gabarit ou de votre dextérité, vous allez devoir enlever ces matières, enfin cette matière. Donc moi c'est parti, je vais faire ça tranquillou, je vais remarquer au crayon pour pas me gourer parce qu'on les voit pas très bien. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Et le but du jeu, c'est de ne pas mordre le trait, bien sûr, pour avoir le minimum de jeu entre les queues. Elles sont toutes coupées. J'ai plus qu'à enlever toute cette matière-là. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est assemblé. J'ai un petit jour ici. J'ai un tout petit jour ici. Bon, bah, c'est pas bien grave. C'est qu'un gabarit. C'est pas une pièce finale d'un assemblage pour un meuble ou quoi que ce soit. Le reste, c'est pas trop mal. Donc, j'ai bien une continuité sur mon fil ici et ici. Bon, évidemment, là, sur les champs, c'est compliqué. Hein. Mais ça matche bien. Ça rentre un petit peu en force, je préfère.
Maintenant, je vais passer au collage de tout ça. Je vais peut-être nettoyer un petit peu encore ce qu'il y a à nettoyer, mais je pense que là, c'est bien. Bon, voilà, c'est collé. C'est parfaitement d'équerre comme vous pouvez le voir. Il y a un petit peu de travail de ponçage et d'ajustage au rabot, mais ça va être tranquillou. Et il restera une dernière étape, c'est de mettre les côtés pour pouvoir venir faire les butées. Ça y est, mes morceaux de bois sont reliés entre eux via ces queues d'aronde, c'est raboté, c'est propre, il n'y a au final quasiment pas de jeu, hormis sur les extrémités. Donc bon, comme je ne cache rien et que je préfère montrer mes erreurs pour que ça soit profitable à tout le monde, il faut bien s'appliquer quand on coupe, ne pas manger son trait. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mangé mon trait et du coup, je me retrouve avec un assemblage avec un petit peu de jeu. Donc, bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est pas un truc qui va se retrouver dans un meuble, c'est un gabarit. Alors je précise, c'est bien un gabarit. Alors oui, je sais, il faut être complètement cintré pour faire un gabarit assemblé en queue d'aronde. Mais alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'aurais pu le faire avec la domino, la tourillonneuse, la lamelleuse. Ouais, mais bon, moi j'aime bien me faire chier. Encore une fois, je vous le répète, c'est juste pour le défi technique. Alors, le défi technique des queues d'aronde en soi, c'est pas très dur à faire, hein. Il suffit juste de s'appliquer. Moi, en l'occurrence, c'est pas encore ça. Pourtant, j'en fais depuis quelques années. Bon, je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que maintenant, vous allez voir comment je vais réaliser la baguette qui va se retrouver sur le bord. Alors, bien sûr, encore une fois, tout en bois. Je vais essayer le maximum avec des outils à main. Donc, le fameux rabot à combinaison va resservir dans cet exercice. Je vais faire cette petite baguette qui va venir se coller sur cette face-là. Mon gabarit pour m'aider à tracer mes queues d'aronde est réalisé. Il est en train de sécher. Je démoule le cake dans 3-4 heures. La colle sera largement prise. Je ne reprendrai pas mes ajustements ici et ici tout de suite, hein, pour éviter que ça fasse travailler trop la colle. Donc je vais laisser sécher tranquillou. Et après, je vous ferai une petite démonstration sur l'utilité de ce gabarit. Donc ça y est, mon petit gabarit. Pour m'aider à tracer, à reporter mes queues d'aronde sur la deuxième section de bois est terminée.
Je vais vous expliquer avec une petite démonstration comment il fonctionne. C'est ultra simple, il suffit de le coincer dans un étau. Donc il y a quelques jours, j'ai réalisé des petites queues d'aronde, je me suis amusé pour pouvoir vous expliquer comment j'allais fonctionner avec ce petit gabarit. Donc c'est simple, une fois que vous avez réalisé cette partie-là, donc les contre-queues, les tenons, les mortaises, je ne sais plus le nom exactement, hein, vous m'en voulez pas, vous allez, si vous travaillez uniquement à la main. Alors ceci, c'est juste pour vous aider à bien positionner votre bois. En aucun cas, ça va réaliser vos queues d'aronde. Donc je vais devoir reporter, mettre mon morceau de bois en superposition sur ce morceau de bois, sur la deuxième section de bois, et je vais devoir venir reporter à l'aide d'un tranché ou d'un crayon les interstices là. Vous allez voir que quand on le fait à la main, qu'on essaye de le faire dans une presse, c'est pas très facile de tout bien aligner. Là, ce petit gabarit va nous permettre d'aligner tout simplement les deux pièces et pour pouvoir tracer sereinement. Exemple. J'insère mon gabarit dans ma presse. Je prends la deuxième section de bois. Je viens la mettre contre, à la verticale, que j'ai collée sur mon gabarit. Je le laisse dépasser légèrement. Je serre légèrement ma presse. Alors, ça fait beaucoup de manip, je sais. Vous venez mettre votre seconde pièce sur la partie haute du gabarit, vous venez appliquer une légère pression sur les queues. Si vous regardez bien, mes deux pièces de bois ici sont alignées parfaitement sur leur champ, là, enfin sur le, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs. Hein. Il vous suffira ensuite, tout simplement à l'aide d'un tranché, de reporter vos tracés. Voilà, et le tout assez simplement. Démonstration. Vous venez appuyer sur votre pièce, bien sûr, pour pas qu'elle ne bouge. Et voilà. Bon, bien sûr, mon tranché, il est trop épais. Pour la démonstration, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous n'avez qu'une contrainte, c'est de ne pas faire dépasser votre pièce de bois ici, sur la partie-là. Donc, il faut que ce soit bien à fleur. Donc, voilà l'utilité de ce petit gabarit. Alors, je répète, ça ne trace pas. Ça ne vous fera pas vos queues d'aronde à votre place. Comme vous avez pu le voir, ça reste relativement simple à faire. Vous n'êtes pas obligé, je le répète, de faire de la queue d'aronde pour faire ce gabarit, ce jig. Vous faites un assemblage, même à vis, ça suffit largement. Moi, j'aime bien me casser le cul. Alors, je suis un peu sport, hein. Je sais. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est de sortir tout le temps de ma zone de confort. Donc, si je peux faire un truc un petit peu plus hard pour m'entraîner à continuer dans ces assemblages-là, je le fais. Je peux faire plus simple, c'est sûr, il n'y a pas photo. La queue d'aronde n'est pas très dure. Hein. L'important, c'est le traçage. Donc, si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs sur ce petit truc, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai à tout le monde, sauf aux vilains. Voilà. Je prends toutes les remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'essaye d'y répondre le plus proprement possible. Des fois, c'est pas facile. Si toutefois, vous vouliez apporter des améliorations à ce petit truc, n'hésitez pas à m'en parler, on peut regarder ça, on peut en parler, et ça serait bien de partager sur ce truc-là, si vous avez une autre technique, une autre astuce pour tracer ou reporter vos queues ou vos contre-queues d'aronde sur un autre morceau de bois, ça serait quand même bien sympa. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. C'était Franck de Créolinium. Ciao les amis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.